Hey yo! Yo tout le monde. Bonsoir à tous, tous ceux qui sont sur le stream. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'on m'entend bien aussi? J'ai pas vérifié, normalement c'est bon. Je crois que j'ai pas mis le filtre sur le micro. Tac, tac, hop, normalement c'est bon. Du coup, ce soir, on se retrouve pour un nouveau match du Wacken Showdown. Donc, ça sera le tournoi White. Et c'est une équipe de la structure que nous allons cast. Bon, j'espère ne pas avoir de bug pendant la game. Tac tac tac. Est-ce que vous m'entendez correctement? Le micro ne s'allume pas. Est-ce que je vais avoir le temps de montrer les OPGG? Telle est la question. Ouais, ouais, ouais. Yo Marwan. Ah, y'a Seweko. Ça va, mon gars? Ça va, là. J'étais en déconcentration totale et j'étais pas là. Y'a pas de galère. Hein. Ah. J'espère que. Que ça va envoyer ce soir. J'espère que. Punaise, tu m'as mis le pike. Non. Non, mais le poulet est trop bon. C'est le perso qui était là de base en fait. Ah merde. Oh non. Maintenant tu m'aurais mis Gragas à l'ancienne. Tu connais bien. Gragas sans skin. Ouais, son insta à quoi. Punaise, il était sous DSP lui. Et qu'ils ont envoyé là pour draft. Attends, c'est quoi? Ah si. Est-ce que... Attends, mais... T'as le lien? J'ai peur. Ouais, ouais, mais... C'est le mode spec, ça? Je crois. Parce que je vais pas faire un draft à leur place. Ah, mais ils ont pris pro draft alors que draft lol, c'est mieux. N'est-ce pas? Mais attends, mais pourquoi moi j'ai déjà une draft faite? Ah, moi je sais pas, ça charge même pas. Juste que mon PC brûle. Ah, mais en fait, ils l'ont déjà faite. Bah, d'accord, il y a eu un bug, non? Bah, je sais pas, non, ils l'ont juste déjà faite. Ah non, on a juste 3 minutes en retard, on est juste bête. Bon, bah, du coup, tu peux monter la petite draft, je pense. Vous avez peur? Oh, attendez, mon client est trop grand, je crois. Et voilà, le régisseur. Le régisseur. Ah mais j'ai dû manger, hein. manger super vite déjà. J'espère que t'as bien mangé quand même. Le poulet était bon. Hein. Ah. Mais c'est pas du tout la même draft. Oui. Et je sais pas, j'ai pas vu moi. Oh, les bannes, je crois que j'en fiche. Du coup, du côté de la... C'est pas les bons logos, non plus. La... Oui. Ceux qui sont Blue Side, c'est la team Hurricane.
je Ouais, crois. les ASC, c'est les au Team Rocket. Ok, bah du coup, du côté C'est Primus à droite, du coup. des Hurricanes, on a Jinx, Braum en botlane, Wukong jungle, Cassiopamid, Gragas top, contre Thresh, Xayah au bot, Viego en jungle, Shogat top et Sylas au mid. Donc c'est un counter pick au mid, Cassiopeia, Sylas. Viego c'est broken en ce moment, donc on peut comprendre le pick. Wukong, bah, ça reste toujours fort. La botlane Jinx Braum, toujours bien. Contre Thresh Xayah. On va voir ce que ça donne. Non mais ça y est, y a Neton, il commence. J'ai Non mais il y a toutes des fans aussi peur. dans le sur le stream, c'est... Mais surtout, y a Neton. C'est vrai. Oh, hey, j'ai retrouvé un compte. J'étais gold 420 LP, je suis gold. Je suis à une game d'être gold 1 là. J'ai gagné 220 LP en 3 games. Parce que j'ai double rank up. J'ai fait Oh, gold j'ai jamais kiffé. gold 420 LP en 3 games, j'étais gold 2. Et J'adore moi, je vais ça. juste jouer sur mon autre compte. Ça va juste jouer sur un nos autres comptes. On va laisser nos mains tranquilles. Bon, ouais, de toute façon, faut pas regarder mon historique, je joue C'est n'importe quoi. vrai. Et... Bon. Bon, là, c'est la draft, hein. Rien, rien. On peut rien dire. Juste que je pense. Pour toi, qui a la meilleure draft? Qui a... Voilà. En vrai, c'est con, c'est qu'on n'a pas vu les. Je vais baisser le son. On n'a pas vu l'ordre des bans et tout dans Royal. Je sais pas s'ils ont blind pick Ouais. s'ils ont blind pick le Gragas pour justement flex pick. Non, non, elle en pique en dernier. En vrai, le pick Cassio est bien parce que tu veux. Genre, elle va découper le Shogat Elle a et découpé tout le monde, quoi. la counter Viego et Sylas. Après, le Sylas en Avec vrai. Xayah. Et le Thresh. Parce que si elle met une bonne flaque, Xayah ne peut elle pas peut rien ult faire. dans le. Non, non, elle peut pas. Ah ouais. Bon, nous, ça counter pas mal de trucs. En vrai, Yanneton ils ont nous dira parce pas. que l'expert en ADC, c'est lui. Mais je. La team de droite, ils ont rien pour aller choper. Genre, même Jinx et tout, ils ont pas grand chose pour aller la choper en soi. Non. Y'a pas ton engage, j'en ai deux comps, c'est regarder dans le blanc des yeux dans la river. Bah la seule engage chez Wukong du côté Crusade et de l'autre côté c'est Thresh sur un bon grab. Ouais, ou Sylas avec un ulti Braum à la Ulti rigueur qui court Wukong. dedans, ulti Ouais. Wukong. Ou un ulti Gragas en vrai En si j'arrive à fait, ramener quelqu'un. si le Sida c'est pixel perfect et qui clutch un fight avec un ulti Cassio ou Braum ou Wukong. En fait, l'ulti Braum avec Sylas, c'est nul parce que ça fait juste bump et ça slow, mais ça met pas les marques du passif de Braum. Enfin, c'est Ouais. bien, mais. Mais voilà. Bon. En vrai, non, mais un ulti Gragas, genre, ça va faire déjà même juste ulti Gragas, ça fait. Il va pouvoir mettre midlife, life Pitié vite. qu'on voit pas sur ton. Ce Gragas de Taiga, les gars. C'est pitié qu'on voit pas ce level. Ouais, mon Gragas, il joue jungle maintenant. Et il est pixel. Par pitié, ces flash E là, ratés contre Talia, je me rappelle. Je l'ai solo kill. Ouais, Bref, y'a Neto, ouais, il très semble en chiant pas. retour. Tu fais. Tu Bah, là, peux déposer maintenant. ton CV. Mais tu veux jouer quel rôle? Parce qu'on cherche un mid en fait. Et Ah tu m'as ouais? dit que tu voulais jouer mid. Bah oui, puisqu'il n'y a plus à qui. Si je joue, c'est ADC. Je vais mid Ah Voxtrav au bah. top, my dream. Non, je trouve Non, que je suis le meilleur joueur au top. on demandera à Voxtra si ça ne dérange pas de la trade. De toute façon, il y a notre coach qui lui a dit des conseils, qui lui a dit des pics. D'ailleurs, notre coach, il est là ce soir. Il va trop nous juger. Putain. Mec, on va être pixel en cast. En plus, je crois que je suis solo chez WAM. Je vais pouvoir hurler. Hurler comme jamais. Mais. Voilà, après, c'est Gragas top quoi. Moi, je voulais voir un vrai Tchad au top. Dommage. Là, on a un alcoolique. Pas tout Après avoir. Gragas, c'est Tchad, hein. Mais contre Shogat, je sais pas si c'est Tchad, parce que
Shokai, tu vas juste le permafrost. En vrai, top. À moins d'un bon gant qui va juste rien se passer. Hein. Je pense que Shokai solo kill tous les jours. Ouais, il peut. À part s'il joue bien Gragas. En early, Shogat fait extrêmement mal en vrai. Bon, tout le temps. Surtout niveau 6. Je pense que son plus gros power spike, c'est niveau 6. Hein. Dès qu'il y a lutte. Mais Gragas ADC en bot lane, c'est trop fort. Je le dis. Tu mets des Q à 200 en early sur un ADC qui a à peine 600 HP, c'est trop fort. Tu proc la comète. Est-ce que tu penses qu'il y aura une invade? Moi, je pense qu'il y aura tentative. Je sais pas pourquoi je le sens. Petit là, ils vont dire, bon, à on a droite et petit. On les attend stack ouais. dans un bush du côté ouais. de. Alors, ils ont un meilleur. Ils ont un meilleur truc à gauche. Une meilleure réception, pardon, à gauche. Et un meilleur invade aussi. Parce que mais Brom, Cassio, tout simplement niveau 1, Brom. Quoi. Cassio niveau 1, c'est pas Oui, ouf. mais Brom. Ouais, Brom, c'est Brom fort. niveau 1. Brom, elle était Brom niveau tempo 1. de Jinx. Ça Je sais va, qu'il y a Netto, il aime il était le beaucoup Brom tempo. support. Mais ça, j'en revois de plus en Netto, plus, c'est. là, en ce moment. Il y a Netto, il aime trop mon Nautilus aussi. Mon petit stop. Mais après, on fait des games pixel parfaits avec un Netto en trio avec Hakim, mais il décide de prendre Maître Yi, faire du 2-17 et prendre Kleens Smite en jungle. En vrai, j'aurais pu mettre mon deuxième écran. Attends, je vais faire ça. Vas-y, branche ton deuxième Comme ça, PC je vois là, les. vite fait. Attendez, les gars, je vais monter le PC. Alors. Étendre des affichages. Les affichages. Regarde, il va étendre les affichages. Et je vais Qu'est-ce mettre qu'il me Google dit? Chrome. Oh, la game se lance pas en plus là. Bah, c'est. Moi, c'est à 0%, mais elle se lance. Bah, de Moi toute façon, je ça va en soi, ça se. ben, moi je suis à 0-0 et je. Ok, c'est bon. Moi, ça s'est lancé là. Écran noir, je crois que je vais devoir relancer. Ah, mais moi je ne. Je suis toujours sur le client. Hein. Rien ne se passe. Ah, bah, je vais relancer. Quitter la partie. Quitter. Chelou. Il n'y a rien qui se passe. Ah, bah, je ne peux plus regarder la game. À part si Ah! ça se connecte pas. Attends, ça se trouve, ils ont remake. Non, non, non. Non, mais par contre, je. Alors, si tu peux pas rejoindre la game et que moi, mon client bug, enfin. Non, mais quitte et regarde la partie de. Je ne peux même pas Bah, quitter. LTF4? Ah, mais oui, non, mais oui, toi t'es en. Ah, bah, pas mal, League of Legends. Merci Riot Games. Parce que moi, le champ select, enfin le changement de la game ne s'est même pas lancé. Genre, une fois que je suis arrivé à 0, ça reste à 0 et là, rien ne se passe. Ben, vas-y, relance LoL, non, je pense. LTF4. ZZZ. Bah voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé la game. Je vais relancer mon client. On va voir. J'espère. On va rater 4 minutes. 3 minutes. C'est pas J'espère que je peux quand même regarder. Non, la dernière fois, j'avais réussi. Même si j'étais pas dans la game, oui, que oui, je mais puisse. tu fais regarder les regarde des parties. Heureusement que je l'ai ajouté en ami. Mais c'est quand même. Bah oui, sinon tu n'aurais pas pu rejoindre le pire en fait. Eh ouais. On a encore eu de la chance, moi je te le dis. As sauvé ça. Ouais. En fait, les gars, on vous a pranké. Là, on part sur un live Dead Island 2. En fait, on va faire Un des duo duo. queue sur Vas-y, complètement des trucs à. Minecraft en Bed Wars. Ouais, sur OneCube qui a 20 mecs connectés là, sur le flop. Complètement con. Ok, les gars. Non mais Bah, t'es. je vous commente sans l'image. Bon, là, ils sont. Je sais pas, j'ai pas de mal. T'es mon employé, t'es pas dans la game là? Non, ça m'a fait quitter aigrement. Je dois te faire un stream Discord. Bah non, je te rejoins. Tu peux me Ah non, rejoindre? je peux pas. Oh Bah, non, je peux mais je pas suis pas regarder. dedans moi là. Ah, reconnexion. Ah, Attends. ok. C'est que si je te fais un stream Discord, mon PC va crash. Hein. Enfin, va pas crash, mais il va exploser, je pense. Non, non, non. Ok. Attends, est-ce que là je rejoins la game? Ok, Normalement. ok, ok. Bon, Mais c'est moi, je tout te vois un sur le cœur. spectateur, je peux pas te regarder. Ok, Je je suis dans t'envoie. la game. Ok, mais je peux t'envoyer un cadeau dessus. Bon, mais t'es obligé de faire un semi-sort parce que je suis pas trop loin. Attends. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est. Je suis dans la Ah game. ouais, là, c'est bon bureau, là. Ouais, bon bureau. Et regardez le pont d'écran, il est pas trop stylé, sérieux? Attends. Je te fais un petit stream. Un little stream. Ouais. Ok, regardez le stream. Ok, j'ai lancé le stream, le jeu a crash pour l'instant. Oh, mon PC, j'ai un Non. PC de complète. Ok, donc on a 2 minutes de jeu. J'ai un Voilà. PC de complète, ça bug même pas, c'est parti.
Attends, je place tout. Donc, regardez, il y a une invade. Il y a une invade des... de la team. Attends, faut que je... Bah, non. C'est ouf. Il y a eu une invade de la team. Primus. Figurez-vous qu'il y a start au bot de Wukong. Donc, ce Wukong qui s'en doute pas, évidemment, parce qu'il n'y a pas eu de voix de poser. C'est quoi? Il va être très surpris quand il va revenir. Ah non, il a fait raid, il est tout gros, il est tout gros. Ok. Le Diego? Bon. Oui, oui. Regarde. Ok, le bon. Bon play. Clint. Instantanément de. De Jinx qui est pas. Qui est pas à sa place. Grave. En vrai, le duo. Le genre le 2v2 bot lane qui gagne en early, je pense pas que. Wow. Non, non, ah mais voilà. Jinx c'est assez faible en early. Ouais. Quand elle est pas avec un champion comme Thresh. Ouais, c'est assez fort en vrai en early, non? Je sais pas, moi quand je joue bot lane, je me fais souvent péter la gueule quand même en early. Quand même. En fait, Xayah, c'est ça a de la range, ça a beaucoup de range. Donc ça fait mal. Oui, la Jinx elle reste en plein milieu des creeps contre une Xayah. Donc, Xayah, on évite de rester au milieu des creeps, au milieu de la wave. Parce que tu peux te faire croire qu'en même temps, elle push la wave. Donc c'est mauvais. C'est pas ce que tu veux. On a peut-être un gank mid, du coup là le Diego on voit pas, on a un gank top aussi qui va se faire. Oui, on a un gank top. Je crois que la cassure pense... est morte. Hein. Oh, si on force le flash. Ok. Ouais. Et au top, il a flash aussi. Hein. On l'a pas vu, mais au top il a flash, le Fouquet, après son bump. Donc là, les deux junglers qui vont sûrement reset, sinon le VO pas sur ses loups. Et Wukong qui ne reset pas non plus, qui va peut-être faire un gank au mid. Oh, bon. Mais c'est wardé par le... dans le bush, je sais pas. Est-ce qu'il fait le tour, bush, il est pas vu. Je crois qu'il fait le tour, il est pas vu. Oh. Ouais mais Viego il est en counter gank parce qu'il a été vu, il a ouais, été vu sur Kong sur la board. Ça y est, ça va même pas flash out. Non non, il était cover par Viego, qui gagne le 2v2. Parce que Cassio a pas de flash ni trop de malade. Enfin... Oui, si Xayah Brom a le push c'est carré, oui. Xayah Brom, alors c'est Xayah Thresh. Si non, non mais j'ai même pas voulu répondre. Bon. Du coup, là, elle crash la wave Cassio pour pack parce qu'elle a plus de mana. Elle va sûrement keep sa TP. Les junglers qui ne veulent toujours pas back. Hein. Ouais, Wukong qui devrait reset, je pense, là, après c'est Krux. Viego qui prend son reset. Ils sont exactement sur le même timing. Même timing, même petit avantage de camp pour Viego. Du coup, un petit avantage à Nexus aussi. Il a fait. Bah oui, vu qu'il a une bague, il a. Ok, c'est là ce qu'il y a un coup de mana qui sera oublié de flash out. Hein. Je pense, ou non. Non, parce qu'elle a mis sa flaque, elle a préféré mettre sa flaque. Non, non, c'est juste qu'elle a mis sa flaque, du coup ça la rallonge. Pourquoi mettre sa flaque alors qu'il n'a plus de mana, il met tout dash. Au pire, il claque son flash. Et... Je suis trop aigri, pardon. Il faut que je sois neutral. Neutral. Ça y est, je crois sur Smash Bros. Bon, t'as raison, toi pour l'instant ça se chamaille. Ah, on a Diego qui va essayer de peut-être aller chercher un kill. En vrai, Gragas, c'est. C'est très faible en early, ça reste squishy. Ouais, mais il joue rush phasique et il a un flash. Ouais. Donc est-ce qu'il va mourir? Non, normalement il est safe en vrai avec son E. D'ailleurs, Xayah qui joue. Xayah qui préfère jouer une ghost. Pardon, oui, parce que j'avais pas vu qu'il. Non, je regardais juste l'agression au bot. Au compte là. Ok. Xayah qui a pris un gros coup de tour. Ouais, je crois qu'elle a été stackée par Thresh. Il a pris un coup de tour aussi. Donc je disais que Xayah préfère jouer Ghost que Team Flow. Qu'est-ce que t'en penses, Yannick? Ok, oh. Le combo. Ah, il a plus de flash le Shogat, hein. Ça c'est un solo kill, je vous le dis. Bien joué. Oh le flash, pas obligé. Oh le flash. Flash pas obligé, mais bien joué à Gragas qui prend le premier kill. Du coup mon expertise a été faussée parce que je croyais que le Shogat allait prendre. Qui prend le first blood, il est parti. Et le Shogat qui n'a pas respecté le timing niveau 6 de Gragas. Un trade que j'ai vu à la G en plus, c'est l'un des rares joueurs de la saison que j'ai vu à la G. Donc là, on va okay. Sûrement prendre un kill bon, ça... avec son ouais, grâce à l'Ignite. Ça reste au milieu des creeps de Xayah, ça ne respecte pas les creeps de Xayah. Sylas qui joue First Strike, c'est pas ouf ça, non? Oh, je suis pas un mid, mais... Il y a je sais pas. Non, ouais, sur Grias, à part avec ton Q, tu proc pas énormément après... First Strike, genre. En vrai, Xayah, ouais, c'est vrai qu'il y a que 2 CC. Mais bon, c'est des gros CC quand même. Mais c'est pas grave. Bon, dommage que c'est le kill sort par Thresh, mais je pense qu'elle pouvait mourir dans la main de Xayah. Voilà. Ok, ça va prendre la prio pour jouer le Drake sûrement.
Ils peuvent clairement le faire. Hein. Ça va faire ça que ça joue. Non, mais ouais, je sais que ça joue, mais en vrai, je trouve ça pas ouf. Enfin, je sais pas. Bah, c'est dubitatif. Ça va essayer de jouer autour du dragon, par là, mais une bonne vision dans la river du côté de Primus. Wom qui va tenter d'aller peut-être titiller le Sylas ou des wards. On a été repéré un peu à la pink. Ok, Sylas qui s'avance un peu trop. Oh, Sylas qui n'a plus de ult et qui va sûrement tomber sur son ulti. Hein. On est obligé de flash, mais là c'est okay. Peut-être pas le meilleur endroit pour flash. Non, non, c'est pas le meilleur endroit, surtout que le Wukong avait. Ah, tu vas jouer au Wukong en trop. Mais il prendra le kill sur Cassio. Donc plus de flash Sylas, mais. Est-ce qu'il a une TP? Je n'arrive pas à voir si c'est en CD ou. Non, ouais, il est en CD. La moitié de sa CD là. Ok, ouais, okay. On a Diego qui arrive. Oui, il grabe la mauvaise personne, je pense. Est-ce qu'on a mais ils sont que deux. Jinx qui décale. Ok, c'est bon. Bon, je pense que là ils vont jouer le Drake. On veut forcer? Attends, on veut forcer alors que. Diego est niveau 6, il peut faire un truc, mais il est mid-life. Oh, le film de Diego est trop beau. Je vais le dire. Est-ce que ça va peut-être. Allez voir le Diego. Non, Diego, là, okay. Le Diego qui va toucher. Ok, le ulti out de Diego. Dommage que le proc passif la dernière auto n'a pas touché. On a peut-être plus à récupérer. Ouais. Par contre, là on est level 6 des côtés de Primus et on est level 4 et 5. Ah, du côté du Hurricane. Ok, en bon trade. Au top, on va retirer okay. Kill. Nana. Il a plus de flash, hein? Il vient de flash, je suis d'accord. Ça va peut-être tenter un dive au bot, hein, du côté plus. Wom qui est déjà mis. Je pense qu'ils peuvent pas. Hein. Le Vigo qui force un peu trop sur la bot lane, ouais, il perd beaucoup de temps. Là, ils auraient pu faire le Drake et tout. Ok, on va aller. L'ult. Il n'a plus de flash, il a plus de dash, c'est un kill. Pris par le Wukong. Ah, Jinx a peur d'avancer. Tu vois, forcer des ultis. Ok, ça décale bot pour le mid de jungle de Team Rocket. Drake peut-être du côté d'Ascensus. Je pense que du côté de l'équipe Rocket, ils peuvent jouer le Drake. Il y a un reset de Xayah. Ouais, non. Ouais, après Jinx, t'as plus de mana. Brom non plus. Compliqué. Xayah qui met 30 CS à Jinx, pardon. Ah, comme ils ont push, quasiment. Je suis obligé de farmer ce tour. Oui. On a déjà le carco à Zénithien sur Gaia. Je pense que Jinx va back, elle va l'avoir aussi, je pense. Le coach nous a dit mettre plus d'entrain dans la voix, je vais hurler. Je vais hurler. T'inquiète, là il va y avoir ma voix, t'inquiète pas. Ok. Attention Gragas qui va prendre, peut-être son canon il l'a eu. Et en plus il trade derrière le Shogate. Le Shogate? Le Colgate, ah oui. C'est une marque de dentifrice. Tu te transformes en anglais aussi, Shogate. Shogat, my bad. Je pense que vu que là ce que je proposerais à Gragas, enfin si j'étais Wukong, ce que je proposerais à Gragas c'est de freeze la lane. Et juste, vu que le Shogat n'a plus de flash, et que c'est un Shogat, donc à part son bump, il a quoi pour s'escape? Rien. Et ouais, juste, non. Viego vienne permagant, parce que Shogat voudra push. Pour avoir la prio, et il pourra pas puisque c'est un freeze. Et qu'avec l'ult de Gragas, il pourra sur la tour. Voilà, ouais, ouais, que je proposerais. Forcément, là, Wukong, là, Gragas, ouais, il va jouer vraiment un build. Oui, pour la mais. Team, un build tank. On sait ce que c'est un Wukong feed, enfin, un feed qui snowball, on sait. Et c'est très chiant. Ouais, sachant ouais c'est notre coach. En late game, je pense qu'il détruit tout le monde. Un coach, un coach free. C'est un free coach. Free en freelance. En freelance. Voilà, Xayah qui continue à se prendre ses plumes. Hein. À chaque fois, c'est des chunks. Attention, oh la Cassio qui va surpunir. Peut-être sur son move, faudra. Non, la flash, la flash, elle est pas mort. Ouais, j'aurais peut-être pas mis la cage avant du coup. J'aurais peut-être mis le E. Par contre, là, non. Le trade oui, oui. Derrière. Oui, on peut, très bon. Oh le tonneau, le baril qui ramène tout le monde. Ça a été un carnage, mais il y a les plumes de. Ouais, il y a les plumes de Xayah qui peut faire très mal. Ok, ouais, et je pense que le Sylas, il avait l'ult de Cassio. Mais Atreid et. De Gragas de. Mais c'est le Gragas de Gare du Nord.
Il achète ses bières. Non, mais. Il achète ses bières à l'épicerie de Mood. Punaise, mais ce Gragas qui vient de triple tonneau. De triple ult ramé en range de l'ulti de Wukong. Dans l'ult de Wukong, carrément. Ouais, bah Wukong qui arrive. Qui à vient trouver ce clutch. Et derrière, derrière avec le buff, ça permet. Un petit air de Gragas qui ramène tout le monde. Mais là, le Gragas qui ramène 3 mecs, il a ramené Silas, Thresh et Diego, c'est ça? Ouais. Après, ça, il s'est en train de faire. Ah non, non, je suis pas. C'est en 1v5. T'es sûr? Non, non, Shogat n'est pas mort, ouais. Du coup, c'était en 4v5. Ah, Shogat était en train de prendre des plates alors? Ils ont pris. C'était du 3-0, oui, oui, il était autant. J'ai pas eu. Bah, je pense que ça n'aurait rien changé, je pense. Mais. On a Diego sur les rails là en attendant. Sylas ouais. Sur le fight qui a retouché sa. Son E, je pense qu'il aurait. Ouais, mais je pense que Silas, s'il avait l'ul de Cassio, je sais pas quelle ult, si t'as vu l'ul qu'il avait, mais si elle avait l'ul de Cassio, je pense que ça peut tourner en faveur des Primus. Là, comme tout le monde était stacké en vrai dans un fight avec des ultis comme Wukong, Cassio et tout, en vrai. Moi, ouais, je suis d'accord avec toi, il y a un big draft. Je pense que tu ne piques jamais Silas si Cassio, tu bannes pas Cassio. Sûrement ce E. Faire dive. Non, non, c'est. Ça va passer ce dive. Le flash, je pense qu'il était entre eux. On pouvait attendre. Il aurait fait une autre équipe. Il va attaquer son lethal tempo, mais oh, Wukong qui va se faire. Oh, catch. Le bon. Ah, il se fait pas catch, lui qui a voulu engage sur l'ul de Cassio. Avec ses lots. Ça prend deux gros shutdowns, hein. Combien? Donc, 700 gold et 800 gold. Des shutdowns. En plus, c'est sur Sylas et Vigo. C'est pas forcément les persos que t'as envie de mettre bien. Mm. Mais là en plus derrière on va prendre la première plate. La Xayah en vrai qui est bien parce qu'elle met là, 50 engage, CS hein. Non ils vont pas engage 50 CS et qui a au moins 4, au moins 3 ou 4 plates je pense. Après comme l'a dit Yaneton, Jinx fait DPS si elle se fait bien peel aussi hein, parce que c'est pas ce qui est sûr. C'est elle peut tuer tout le monde. Là la... ah, ok le bon grab de Thresh. Le Thresh qui va mourir derrière parce qu'il a plus de flash. On a la bonne arme de Wukong, Diego qui fonce dedans, Diego qui va se faire punir. Le double kill de Wukong, très bon ult de Wukong, il est très bon counter, enfin très bon follow-up de Wukong. Ah, le trash qui est produit par. Qui a go-in dans l'ulti de Wukong. Xayah qui fait une boîte qui me fera bien, qui fait une accepte bonne game, mais qui est en 0-2. Qui est pas récompensé de ses efforts. Ah, c'est le trash qui a 2 kills sur les Ignite. Oui. Donc, Oh là, ça c'est. C'est un gaz de Taiga ça. J'ai pas vu. Il a dans le mur. Les gars, je vous jure que bientôt je ressortirai mon Gragas on stream. Voilà, c'est un scream ou un stream? On stream pour me prouver. Moi, je suis que là pour prouver. Je pense que le problème des Primus, c'est qu'ils vont trop deep. Là, le Thresh, il a grab. Xayah pouvait juste free DPS le Brom et pas aller. Parce que c'était sûr qu'ils allaient pas avoir le kill sur Brom alors qu'il avait son ult. Non, après, ils ont forcé flash out. Le Brom, il s'en est pas sorti, mais. Ah, si, il s'en est sorti. C'est chier, surtout. Ok, Brom qui vient par derrière, qui a peur d'ingate la Xayah, qui n'a pas de doute. En plus, Jinx double. Ça, après, Jinx n'a pas encore son item. Donc. Par contre, Xayah, tueur de Kraken, je suis pas si sûr. Je sais pas, il y a Neton qui est bah, après, là, vu qu'elle joue Ghost, je pense que c'est pas mal en soi. Vu qu'elle a pas forcément besoin de la Yel Force, peut-être pour se repositionner, des trucs comme ça, vu qu'elle Ghost déjà pour avoir de la muscu. Ouais. Ok. Ah, Cassio qui déchire le Sylas. Ouais. On n'a pas d'objectif à jouer pour l'instant. Là, ça juste, ça te regarde comme l'a dit Aneton dans le plan des yeux, mais pas dans la rigueur. Mais il y a quand même. Oh, attends, mais je rêve. Ils sont devant en gold. Les Primus. Les shutdown. Les plates, les shutdown et le farm de Xayah. Ouais, le farm, mais surtout le plate, je pense en vrai. Et les plates, oui, et les deux. Et les deux shutdown, hein, qui, ça prend 1000. Ah non, 1600 gold. Ouais, il y a eu les shutdown aussi, mais. Ah, par jeu. Ouais, mais du coup, tout se joue, hein. Là, mais je pense quand même qu'ils savent pas qu'ils sont en avance, carrément. Oh non, la game, bon, après il y a une avance de 600 gold et je sais pas si. Ouais, 600, 700 gold, c'est pas mal comme. Je peux pas montrer les golds si je la touche bug, ouais. Je crois. Mais ouais, les non, golds, c'est juste en pause. En grande partie non, sur la Xayah, juste sur les CS, parce que 45 CS d'avance, c'est énorme. Ouais, sur.
Et sur Silas parce qu'il est un peu plus mis en forme. Apparemment, du coup, là on veut potentiellement dive ce Gragas. Gragas qui va récupérer son flash peut-être sur le timing. Oui, oui, dive, son flash, il a son ult donc il va jamais mourir. Et puis, ouais, il est trop tanky là. Je crois que Cho'Gath est tank aussi pour ouais, mais Viego n'est pas tank. Viego n'est pas tank, il met un combo sur Viego et s'il tank la tour en plus, le Viego par-dessus ça. Et surtout que le Cho'Gath n'a pas le push pour l'instant. Ouais, ouais, je sais pas, je pense pas que ça. Non, non, il a pas le push. Ouais. Il met un tonneau, il dépêche. Mais là, ça reprend dans 0 secondes. On doit attendre combien de temps là? Ouais, 0 secondes. Non, j'espère que je vais pas avoir un bug hein, parce que sinon je vais crier. Non, bah attends, bah je vais aller faire un ticket hein, sur Riot Games. Attends, y'a Joe Biden qui m'appelle. Yes! Hello! Ah, c'est bon! Oh, c'est bon! Grâce à Joe Biden! Ah non! C'est moi, je lui dis! Est-ce que... Oui, mais il est raide, mais ça veut. C'est pour dive! Regarde la position de Viego! Ah, mais là, faut que le Gragas. Mais Gragas! Ah, bah non, bah du coup. Gragas! Là, Gragas aurait dû juste faire des. Je pense qu'il s'en sort en vrai. Ah, peut-être pas. Non, il le ramène vers lui. Il a son E ou pas? Ok, il active. Tiens, vas-y. Mais. Riot Games! Ah! Petit freeze. Ok, c'est bon. Bon, on s'en bat les couilles. Mais pourquoi il ne l'a pas vu direct? Il aurait juste dû courir sur lui et le one shot? Je pense que ouais, il l'aurait éclaté en vrai. On va faire un catch sur les deux. Ok. Le mystère de Brom mon compte. Non, ils vont mourir tous les deux. La vie se dépêche, mais. C'est du Gragas, c'est pas mon Gragas. Oh, je regarde, le Gigo a des reset. Le Gigo a des reset et. Ouais, mais. Le bon grab de Thresh, c'est clair, et triple kill de Viego. Et non, je voulais dire que Jinx n'a pas son item, donc elle ne peut pas gagner. Ah, Jinx, ça a aucun dégât. Hein. Là, si Jinx avait son item, c'était win. Là, Viego qui vient de prendre triple kill. Oh non, Viego va 1v9 la game en vrai. Il a pris triple kill par une mispose de Brom et Wukong qui ont voulu enlever de la vision ensemble alors qu'ils n'avaient rien à jouer au top. Atrid qui a E flashé dans le fight, tout le monde prend un mid dive vite, mais au final on arrive à turn le Viego qui prend vraiment un reset à 200 HP, il a beaucoup de chance en vrai. En fait, il y a une mauvaise communication des ultis surtout. Gragas n'avait pas d'ult, il a flashé E, s'il avait un ult, il aurait one shot. Mais. Alors on perd beaucoup du coup pour les Huracan. Là, on perd beaucoup, il y a surtout. 4K, bientôt 5K gold de différence, il y a 4,8K. Ah ouais, là, ça vient d'augmenter beaucoup. En plus, on a pris le shutdown du coup sur le Gragas. Et on a pris le Drake, le Zen Drake. Du coup, c'est une map infernale. Infernale, ouais. En vrai, c'est pas ouf vu qu'on a pas vraiment, on joue pas vraiment le POC, mais dans tous les cas, là, mais. Eh bien. Mais comme bah, c'est vrai, pas de... Pour Viego, c'est excellent. Pour Viego. Brom qui est tout seul dans la jungle ennemie, je ne sais pas ce qu'il fait, il va se faire catch. Ouais, si j'aurais pu c'était sur le Brom à la place du Thresh, donc du coup on sait ouais, ouais. Ça veut juste Carap, je sais pas pourquoi il joue autour du top. Pourquoi personne n'est bot du côté des Primus alors qu'il y a rien à jouer? Faut jouer le speed push là. Ils veulent peut-être faire un Ash early, je sais pas, ils veulent peut-être finir la game. Faut que Gragas aille au top, NTP, Cassio NTP aussi. NTP amélioré hein, parce que c'est... Ah, ça va être un kill directement je pense. Oui, ça va être un triple même, une TP de Cassio. On a la TP de la Cassio qui va arriver derrière. Ok. Oh, la Cassio qui va se faire. Viego qui. Oh, le triple ultime qui va Cassio, qui touche 3 personnes. Mais la Kaisa. Ouais, mais y'a pas assez de dégâts, y'a pas assez de. Mais Viego qui est sur la backline qui a temporisé 3 mecs, hein. 2 mecs, pardon. Allez, et ça sera un Ace plus un Nash 20 minutes qui va être récupéré. Regardez, servi sur un plateau d'argent, le Nash il est là, il est bientôt. Aïe. Ouais, ils vont largement le faire, ils ont les DPS pour oui. Le Viego qui était tout personne seul. Personne n'a voulu focus Viego, personne n'a voulu kill Jinx, personne n'a voulu focus Viego alors qu'il était tout seul face à deux mecs. Et c'est très dommage. Il aurait tué Viego, il aurait. L'Axia qui a pris midlife vraiment juste à la fin du fight, sinon il était vraiment free DPS tout le long du fight. Il y a un mauvais focus de la part de la team des Huracan, du coup ça revient à 12-12 et ça. 7k de différence, 6k de gold de différence. Là. Ah, et du coup, ils ne font pas le Nash? Non, j'étais trop low. Ils voulaient peut-être pas grid, sachant que là, ils ont beaucoup de gold, peut-être. Ouais. Je comprends. Oui, c'est ma chaise. Mais faut. Ouais, on a des CC, faut qu'on les mette sur ce Viego. Il y a que le Viego, en vrai, qui a des dégâts. Le Silas a des dégâts, mais voilà, c'est plus lui, c'est sur les bons fights qui va être chiant.
Il faut vraiment tuer ce Viego, et parce que si Viego prend un reset, en fait, c'est foutu. Bah oui, de 1. Et surtout de 2. S'il prend un reset sur Wukong. Bah, en vrai, j'aurais pas fait. Ouais. Y a personne qui a de l'armure en face. Après, moi, j'aurais préféré. Bah après, ça reste pas mal vu que ouais. Gragas, Wukong, Brom sont tank. Même la Cassio est tank, mine de rien. Ouais, ouais, mais j'aurais préféré partir sur. Ouais, bref. Ouais, c'est tank, mais dans ce cas-là, ils veulent pas d'armure, ils vont faire une de Otaka. Je sais pas, jamais joué Coupe Noir sur Viego. Je ne joue jamais Coupe Noir. Sur Viagra ? Sur Viego, je vais t'enculer. Ah. Wow. En parlant de Viagra. Bizarre. Ok, le Gragas qui trade le Silas, mais je pense. Oui, oui. Il m'a. Clique sur. Après le fight, il clique sur Silas pour voir ce qu'il a max. Parce que... Oh ! Le double ult en faveur de Silas. Là, c'est... En fait, c'est des fights où ça joue sur la régène, le Silas. Ouais. Quoique. Oh, en vrai, est-ce qu'on peut. Je pense. On a un je flash, pense que le Gragas. On a un flash qui arrive. On a un flash qui arrive. Non, 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 il va pas le tuer. Tu peux cliquer sur le Silas pour voir s'il max le Z. Sur le Silas là. Ah ouais. Du coup, on peut pas savoir. Je croyais qu'on pouvait savoir. Mais c'est pas grave. Du coup, un Ash qui est start, qui est cancel. Ok, Silas qui apprend de kill. Sur Gragas, non, il a raté sa chaîne. Je sais pas. Je sais plus. Ok, ça trade de. Ça faut. Pas deep dans la jungle, ah, mais ça va. Prend extrêmement cher en plus, on a le cuirassier sur le top 4. Donc là, ça va extrêmement deep, hein. Ça va extrêmement deep avec l'ulte de Brom dans un couloir qui est très très efficace. Ça va prendre le kill sur Thresh, mais derrière ça va peut-être mourir. L'ulte de Cassio qui a été claqué. Peut-être ce Viego et Viego qui va récupérer un reset pour moi. Non, non, Viego qui va. Non, non, il a plus de vie et Jinx a plus. À ses resets aussi, Jinx a ses resets. Et c'est. Et c'est un team fight win par la team Huracan. Ah ouais, sans le Gragas. 7k pratiquement, 6k de différence pratiquement. Malgré ce bon fight. Ouais, mais le fight est en faveur des Huracan car ils ont pris des kills. Ouais, ils mais en ont pris 3. Le seul shutdown c'était sur le Viego, donc c'est dommage qu'on arrive pas à le faire. Oui, mais. C'est dommage, oui. Mais dis-toi que. La team qui est en retard en termes de gold, c'est en faveur pour elle parce qu'elle fait 3 points alors qu'ils sont 6k en retard de gold, c'est très bien. C'est huge, hein. Navori sur Xayah, je sais pas si elle l'avait avant. Et oui, je pense qu'elle l'avait avant. Ouais, si, je pense. Parce que là, elle a pas dû prendre des armes gold. Par contre, pour en parler, le cœur acier sur Shogun, je pense que c'est vraiment pas le meilleur item actuellement. Enfin, c'est bien quand t'arrives à l'avoir early. Là, il l'a eu un peu late. Du coup, il y a qu'à 100 stacks à 24 minutes de jeu. C'est pas ouf en vrai. Après, ça va. Ce qui est bien, c'est que c'est un item où tu stack et que tu joues un perso qui ouais, stack. Ouais, je suis jusqu'à Kaline. Ok, Viego qui prend la planche pour Goldrake, je crois qu'il a de 6 et de 6. Il va la faire rien parce que Sylas est à 3000 HP, mais Sylas qui tombe avec les dégâts de la Cassio. Oui, Cassio qui est bien posé, Jinx est pris des Viego baisses. Qui okay. Viego qui va mourir. Jinx a ses resets, mais le Gragas qui n'était pas là dans le fight. Jinx, est-ce qu'on peut. Non, non, c'est un petit fight remporté par les Primus grâce au Sylas. Peut-être tuer le Sylas. Non. Oh, il n'y avait pas Gragas dans le fight dès le début, ils ont perdu à cause de ça, je pense. Et Sylas qui a permis de tempo, je sais pas combien de temps de le fight. Très longtemps. C'est lui qui engage et il y a toujours du monde dans le fight. D'accord, ça aurait pu être un ace en vrai, juste un 5 pour 0, mais le Viego a pas eu le temps de cliquer sur le reset. C'est tout le CC. Ouais, il s'est fait ramener par. Non, il s'est pas fait ramener par. En fait, Viego a ult dans la backlane, il s'est fait instant stun par Cassio et il y avait Gaia ouais, dans le front qu'il a juste fait. Je sais pas si la c'est dommage, hein. La flaque empêche le Viego de prendre son reset. Non, je pense pas. Ça a cheaté en vrai. C'est vrai que la Jinx, enfin ouais, elle joue pas trop avec sa range en soi. Surtout que là, elle avait un bon spot, elle était dans le fog. Ah, y'avait personne qui la focus et tout, je pense qu'elle aurait pu beaucoup plus proc. Ouais, mais cette Jinx qui a 148 de farm à presque 26 minutes et qui a enfin sa lame d'infini. Lame d'infini ou lame infini? Oui, lame d'infini. Lame d'infini. Mais est-ce que c'est le deuxième item à faire et un étau? Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que non. Ok,
Grimpiffer sur Gragas, pourquoi pas. Bon, du coup, ça met la vision autour de Sonic Adventure. Ça veut... On voit que le prochain objectif de Primus, c'est Sonic Adventure, hein. Logique. Bon, de toute façon, là, ils sont vraiment en avant. Ils sont bloqués. Bah là, ils sont bloqués sous leur T3. Hein. Les T... À part la T2 au top, les T3 sont pris au bot et au mid. Donc, ça permet à Primus de jouer profondément dans la jungle ennemie. Prendre de la vision. Du coup, ça oblige les Hurricanes à faire échec. Et c'est là la plus grande terreur de. Des Hurricanes. Ah ouais, mais là, dans tous les cas, ils peuvent pas avancer en fait. Avec un Shoka. Ils peuvent pas avancer. Ils peuvent pas avancer d'un bas. Ragaz s'est fait one shot et ça continue à fight. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est fin de game. Ils ont la wave au mid. Ouais, ils ont la. Bon, ils n'ont pas. Ils vont. On va approcher des 10k gold bientôt avec le Nashor, ça va... On va sûrement passer la barre des 10k. Ah, on manque de dégâts et on manque de tromper, ils sont en fait, on peut pas avancer, on se fait trop catch, il y a trop de saisie en face. Mais il n'y a pas assez de communication à côté des Ascensus, pardon. Ouais, là c'est... Primus, ils ont le push, donc ils peuvent mettre la vision beaucoup plus deep. Et ils ont beaucoup plus... Là, c'est... Enfin, on le voit, là, en vrai, il y a 4 pings, ça fait la ligne de la river. On peut même aller plus... porter des catchs dans la jungle adverse et tout sans problème. Sinon, là, on va approcher les 3 items adverses, 3 items. Il y a 3 items, hein. Sauf de sang, et Zayak et Jinx qui part sur un canon, ça rapide, je pense. Donc, qui aurait dû être fait en deuxième. Hein. En face, ils ont pas mal de range avec Zaya, Thresh. Enfin, Zaya. Zaya et. Saïla, c'est tellement big, par contre. Je sais pas s'il part sur Saïla, Abaddon ou Shadow Flame là. Saïla, qui est en 1-4, qui se retrouve en 5-4. Et... Là, je pense que ça va être juste un tout droit. Hein. Ils prennent l'inhibiteur. Là ils ont... Je vois pas comment tu veux défendre là. Ton seul dépouche chez Jinx parce que même Brom... Enfin Gragas sert à rien en vrai sur des sbires améliorés. Des sbires boostés par le match. Oui. Oui voilà quoi, tu sais Rulan que je voulais dire pas canon. Est-ce qu'on se dirige vers le top, on reset, on va top? Non. On a la soule dans combien de temps dans... On a pas la soule, troisième break. Ah ouais, c'est le troisième break. C'est vrai qu'on a eu le premier Hurricane. On va juste rester tranquille pour le Nashor en 50 secondes. Céleste qui part sur Rabadon, il va faire extrêmement mal. Ce qui m'énerve là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'exlinker sur le Wukong. Et ça, c'est terrible. Alors, au moins l'item... comment il s'appelle? Le Wukong qui veut survivre dans les fights. Hein. Il veut survivre et vu la résette que ça donne, plus le shield AP, ça donne. Survivre un peu plus longtemps, mais là il faudrait un catch, il faudrait stack dans un bush et stack avant un objectif. Genre ce Viego qui est tout seul avec ce Thresh. Je sais pas, ouais, là on va faire le finir. Bon, en fait, on a trop peur. On a ça là, c'est une 17. Genre, c'est ouais, mais là ils peuvent pas. Là, ouais, on va juste laisser le Drake. Faut des push en plus au top. Le Shogat a le push. On est un peu perdu, hein. Je te laisse mon clavier. J'ai Joe Biden qui m'envoie des mails. Il m'énerve. Il me dit s'il te plaît, ramène-moi dans le cast. Je lui dis non. Ah, d'accord. Non, mais il est... Ok. Il est chaud. Ouais, là, c'est un ADC gap assez. On l'a vu, hein. Je suis d'accord. Ouais, je pense que c'est surtout sur des moves où on tente pas assez. Même en early, des fois, je pense qu'il y avait des moves vraiment où l'Axayer aurait pu se faire punir. Et on a eu peur de tenter d'y aller ou des trucs comme ça, donc on n'arrive pas à récupérer assez de ressources. Et puis l'Axayer avait permanence le push, on perd trop de CS. Après, l'Axayer, c'est normal que t'as le push. Non, mais ouais, mais du coup, on perd beaucoup de CS à cause de ça. Par contre, il s'est fait style le crompe là par le grab de. Voilà, le Shogat à 128 CS, ça non plus, on en parle pas. À 38 2, on dirait moi sur mon Gragas.
Arrête, Payton, arrête. Oh là là. Et Vigo qui part sur une Dev Dance qui prend pas non plus de Dance. Bah en vrai, ils s'en foutent. Ouais, ouais, de toute façon, du moment qu'il prend des resets, puis. Après, attention, Jinx. Jinx s'approche de son troisième item. Hein. Ça peut faire. Pardon, les dégâts. On sait pas, hein, sur un reset, ça se trouve. Ouais, bon, après, ça et là, ça Rabadon, quoi. Genre, ça et là, ça Rabadon, et ça a son anti-tank, en fait, je vois pas comment il gagne. Donc, ça et là, ça prend comme un petit là. Oh, le ok, flash double flash de... ouais, double flash de. Pardon, pas joli, quoi. Pardon. Je prends ce kill. Ils ont pas assez respecté, ils veulent. Il faut qu'ils arrêtent de jouer dans la jungle, juste enlever les waves. Là, c'est plus leur jungle. C'est plus leur jungle. Là, c'est Primus jungle. Ah, et puis on a la vision dans les deux jungles. Un peu moins dans celle-là. Là, ça va juste prendre la tourelle au bot et le inhibiteur, ça va juste finir. Ça va jouer en 4-1. Et. Ça, voilà. Chicago, quand tu fais que t'as du K.O. de différence, c'est un peu la fin en vrai. Ouais. La Cassio arrive pas en fait à kite la Jinx non plus. Enfin, ils ont. Malgré qu'ils sont pas vraiment d'engage, ils s'en battent les couilles, ils ont juste à courir tout droit. Oh quoi? Ah non, c'est sur la fin. Là, tous les persos okay. En face ont 3000 HP, genre. Tu veux faire quoi? Enfin, plus de 3000 oui. HP. Xayek a overheal dans ses roues, je pense. Non. Non, elle a pas un shield de 700, c'est pas possible. Elle a juste le shield de. On va juste prendre le Nashor qui spawn dans 10 secondes et c'est fini. Normalement. Si ça ne roule pas. Mais... En fait, déjà, il n'y a pas de pénétration d'armure pour Jinx. Elle est trop derrière. Donc, pour faire tomber le Shogat, par exemple. Avec le stuff qu'elle a actuellement, elle peut pas le panneau à pas non plus. Hein, non. Elle a un stuff plus pour tank et son rail pour slow les gens, mais ouais, pas, il manque. Bah, mais là, en fait, elle a pris 3 composants qui ne sont pas dans le même build en fait. Ouais, surtout. What the fuck. Après, elle veut jouer tout pour le dernier fight, donc elle a fait un chronomètre, ce qui est logique. Et après, je ne sais pas si c'est à Cassio. Enfin, si, mais. Il y a que elle qui fait l'anti-heal. Brom a attendu que maintenant. Ah, mais Brom est super en retard. Et Brom qui fait un Shurelia. Il lui est poussé avec le Renan, en vrai, ça peut durer encore. Oh, ouais. Après là ça va, il y a les deux inhibs qui sont respawn au mid et au bot, mais là avec le Nashor, je pense pas que ça va. Wukong, sors-moi de cette jungle. Arrête. Je suis bon qu'il veut. Ok, Wukong, tu peux être encore ouais, KD5. Il a été vu, hein. Il a été vu sur la voie. Il a été vu, il a été. Non, ils ont pas l'info, ils s'en foutent. Ouais, là ils veulent juste push, hein. Ouais, non, mais Wukong, ne fais pas ça. Wukong, ne fais pas ça. Est-ce que ça peut passer? Est-ce qu'on arrive à détruire? Ça peut passer les dégâts de Jinx? Oui. Le reset de Jinx, qui tue Viego, qui n'a plus de reset. Jinx qui continue à DPS, qui prend des resets. Xayah. Jinx qui va faire un pentakill. C'est un triplé. Jinx pentakill. Voilà. Ok, pas pentakill, mais qui arrive à. Ah, mais j'en veux pas lui. Et le meta. Oh là là, c'est fou. Ah non, Quadra. Ah non, qui a pris le penta? Non. Qui a pris le penta? Non. Oh, il y a eu tellement de trucs qui ne se passaient. En plus, on récupère le Drake. Ça permet encore de tempo cette game. Oh, c'est fou. Mais l'engage du Wukong, il était pixel. Bon, voilà, faut en parler. Moi, c'est dommage qu'on peut pas mettre de replay, mais le flash. Le flash sur place du Shogat. Insane. J'aime. Mais il était pas slow, du coup, il a paniqué, je crois. Je sais pas, en fait il était slow et il venait juste de sortir de la flaque mais il est un peu paniqué je crois donc. Par contre je sais pas c'est quoi les dégâts qu'ils ont pris le Diego et. Et là la Jinx qui vient de one shot un item. Viego et Thresh. Non mais Viego et Thresh qui sont littéralement one shot par heure. Ouais bah après en fait c'est juste qu'ils étaient. Je pense pas qu'ils étaient devant en mode ils ont trop avancé juste que derrière ça devait ramener. Et bah derrière Jinx free DPS en vrai qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Viego et Thresh pour aller choper une Jinx sur. Là, il y a. Récapitulons. Qui ont leur flash? Wukong a son bon flash. 276. What the fuck. Elle a le même donc là. Que... Gragas a. Ok.
13 qui s'est perdu dans la jungle ennemie. Oui, qui meurt. Non, mais. Non, fais pas ça. Ok, grave, flash utilisé par. Par Thresh. Ah non, mais là, Primus drop la game en vrai. Enfin, c'est pas win, c'est pas loose pour les deux équipes, mais. Oui. What the fuck? Ils avaient 10k d'avance en vrai, ils ont encore presque 8k gold d'avance. Parce que là, c'est littéralement le Jinx qui a tous les gold. Du coup, qui a enfin son coup près noir, il va pouvoir faire vraiment mal. Mais après, on manque toujours de dégâts. Je pense sur Cassio et bah, Graia, c'est pas le but de faire des dégâts, mais. Faut vraiment essayer de tempo, de mettre plus de CC pour clutcher. Je pense que là, Gragas doit partir donc. Enfin, deux dernières items donc, genre cœur gelé. Ouais, je sais pas si l'autre il fait en last. Là, il fait un zonia. Non, il l'a déjà son zonia. Ah non, il l'a déjà fait. Oui, pardon. Mais il va faire un cœur gelé, je pense. Cœur gelé, quand il finit, je pense pas que ça se fait sur la. Non. Ok, Viego qui. Ward. Pousse seul dans la jungle. Le bush il est ward ou pas? Ouais, mais il faut qu'il lâche, il faut qu'il lâche. Est-ce qu'on... Ok, Wukong peut être le Viego. Si il a les dégâts, je vois le Viego. Ok, il peut continuer. Ok, on a un bon ulti du Wukong. Flash sur Wukong, en backline. Non, il gagne en fait. Jinx va prendre sa reset. Oui, les resets de Jinx. Il est pas encore mort, Wukong qui meurt juste à peine maintenant. Oui, là il gagne le fight, je pense. Je pense qu'il faut keep. Faut keep, les gars. Dégâts de Zaya. Allez, Jinx qui va faire tomber ce Thresh, qui va faire tomber peut-être même ce Viego. Non, Thresh qui tombe pas, Jinx qui est trop avancé, qui se fait finir. Non, là, c'est pas le game. Bah, ils ont fin de game. C'est fin de game, ils peuvent pas défendre avec Gragas Cassio. Ils ont pas le Nashor, ils ont qu'un minute de tomber. Je sais pas. Ils sont tous sur HP, hein. Ah, Zaya qui va se régénérer full vivante. J'ai pas trop compris le. On a un flash et un ulti de Cassio. Ah, Jinx qui s'est complètement mispose. Non. Il fallait juste. Elle avait la rêve, hein. On a un flash ult. Flash ult qui part. Non. Non. Brom. Enfin, Cassio quand même pas. Sardoche avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais, Brom? Il finit pas sur ça. Ça ping. Non, c'est. Ok, la game va durer 50 minutes. Non, mais c'est trop. Là, le Wukong, il avait fait un ange gratuit. C'est Silver Gold. Le Gold, je crois. Enfin, même pas, ça doit être, ouais, c'est globalement Silver. Ah, mais en vrai, la Jinx se réveille. Elle cliquait bien et tout. Bon, après, elle focus plus sur Jogat et tout, donc c'est un peu dommage. Et. Elle fait une erreur, mais là, elle meurt, c'est dommage. Là, il y a un flash sur Cassio. Il y a un flash sur. Oh, les dégâts! J'ai pas vu, je regardais des subs. Et là, ça a mis un Q au Wukong. Après, le Wukong n'a pas d'RM hein, pour l'instant, donc il a mis un Q au Wukong, le Wukong il a pris midlife. Après, il est full stuff. Hein. Il a pris quoi en last? Ah ouais, il a pris un. Oh là là. Le Sylas va déchirer. Parce que là, il est tank, mais il one shot aussi. Oh, pourquoi? Il va le jouer direct à la place. Il va le qu'il spawn dans. Combien? Je vois même pas, je vois le temps, mais là, les gars. On a peur un petit Jinx, peut-être. Mais là, ils vont juste. Ah, trop tard. Mais là, ils vont juste venir sur le deck. T'es tué? Ouais. Pourquoi on a pas joué ce Nashor? Là, ils vont juste pêcher, hein. Il faut juste back, les gars. Il faut juste back. Back? Oh, c'est terrible. Alors, on laisse le Nashor. On laisse la. Jouer le deck alors que le deck est spawné, genre vraiment dans 40 secondes, je crois. Oui, 30 secondes. Mais c'est la même chose, c'est simplement la même chose. Mais là, il. Après, on va perdre le mini, mais ça. Oh, ça. Tout le temps. Faut pas laisser tomber le mini, mais on va respirer. On va avoir un très bon. Ok, très bon. Mais Jinx, focus pas ce Shogat. Ok. Ok, bon. Ok, ça va se faire. Allez, tape. Mais. Tape. Non. Oui, Silas. Oui. Non, c'est t'as l'ange gardien, la l'ange gardien, la l'ange. Non, la. C'est fini. Oh non. Non, le public il a mis tellement mal. Oh! Bon, mais. Non, mais. Le Shogat tank tellement. Et ouais. Jinx focus le Shogat, c'est pas. Et le Wukong qui n'utilise pas son chronomètre. Quel dommage. Il aurait pu tellement pour tellement. Il y a aussi Urias hein, qui a pas utilisé son Zonia. Bon.
des choses à corriger dans la game 2. C'est pas fini. Ils peuvent faire égalité. Mais là, j'ai pas compris le... Je sais pas c'est qui a fait le call, le dragon. C'est dommage en vrai, parce que je pense qu'on joue justement ce Nashor, on gagne le fight. On fight Marie... le Nashor, on gagne le fight. Parce que là, ils ont tous le boost, le buff Nashor en face. Donc, c'est un peu dommage. Le petit problème, c'est que Jinx focus le joueur quand elle a son reset, alors qu'elle est full speed et personne ne peut la tuer parce qu'elle a un flash et un glimpse. Et le Brom met tout sur le Thresh ult. Son flash pour stun plus vite. Bref, c'est pas grave. Ils ont un coach, ils vont parler. C'est pas à nous de. En vrai, on avait une belle game parce ça. Que y a... en vrai, l'early est dominé par Huracan. Le mid game en vrai est clairement dominé par les Primus. D'ailleurs, les Primus, je pense qu'ils auraient pu peut-être finir à un moment, mais en vrai, ils ont pas voulu trop forcer. Et derrière, on a réussi à turn la game. Malheureusement, en fait, il y a eu aucun moment où on a pu avancer pour push. C'est ça qui est un peu dommage. En fait, c'était vraiment un tower défense. En fait, le stuff de Brom me dérange aussi. Shurya, tu joues Solari. Là, tu le joues Solari. Ou alors, tu joues l'autre item. Je sais pas comment ça s'appelle. Je pense même que tu joues pas Solari, tu joues l'autre item. Je sais pas, c'est quoi l'autre item. Pour stun, tu mets plus de dégâts quand les ennemis sont stun. Là, tu peux mettre des marques sur tout le monde. Tout le monde peut être stun avec le runan de Jinx. C'est broken. C'est vrai. Ah, en vrai, enfin, la Jinx, en vrai, faisait énormément de dégâts. Là, de toute façon, elle a fini top damage. En vrai, elle était tout le temps free DPS. Malheureusement, bah là, au dernier fight, il restait plus qu'elle, forcément. Comment tu parles à notre coach, Ayane et toi ? Hein ? T'es même pas... Déjà, t'es même pas dans notre équipe, mon grand. T'as dit si. Que t'allais. Non, qui t'a dit que t'allais y être ? Bah, c'est moi le capitaine, donc. En plus, il y est. C'est Hakim. Mais vu qu'il y est. Non, il m'a légué là. Le capitaine. Quelle chance ! Il m'a légué le capitaine, ça. Bonsoir, capitaine. Pour moi, ça m'invite pas. Je peux fermer mon stream Discord là, non? Là. La game a duré combien de temps? 40 minutes en vrai, c'était. J'ai chaud. Prends l'émotion. Vas-y, en attendant les gars, on va vous mettre un épisode de oui. Voilà. Pouette. Allons-y oui. En attendant, on va voir les DM de TK sur Insta. Allez. Ah, trop relou. Non, par contre, ils veulent pas ma... Je sais pas si ils sont déjà en pro draft ou je sais pas quoi, mais ils ne veulent pas m'ajouter dans les games. Ok, il a mis dans le chat là pour ta. Ok, ça a pas commencé. C'est vrai ça. Du coup, je pense qu'ils vont ban ce Viego. Xayah aussi peut-être, je sais pas. Xayah c'est chiant en vrai, si t'as rien pour aller la chercher, puis son ulti casse les couilles en vrai.
Tu veux du Perrier? Non. Non, merci. Ok. Dommage. Moi j'ai fumé, moi j'arrive. Enfin, je suis là en fait, mais vous allez m'entendre de loin. Fume. D'ailleurs, donnez-moi des conseils pour parler aux filles. Parler aux filles? Ouais. Tiber qui était challenger sur LoL. S'en fiche. Faut le montrer du concret, du concret. Si tu étais challenger sur LoL, je pense que tu voudrais pas aller voir les meufs. Parce que tu sais pas fonctionner sur LoL. Il peut vous inviter sur la game. Mais je sais pas. Je ne disais pas en ami, c'était Gay qui est en ami. Bah moi j'ai que Stevie en ami. Stevie là. Tiens, je t'envoie dans le chat. Merde, mon cas A. Il y en a 5. Non, je me suis trompé. Attends. Sur la game. Ouais. T'es sur la game ? De toute façon, je vais t'inviter aussi. Ouais, j'avoue. Ta race. Non, ne tiens pas compte de ce que j'ai écrit dans le chat. Attends, merde, t'es où toi ? Allez, t'es là. Bon, du coup, l'équipe Huracan, du côté Red, du coup, ils ont le last pick. On va voir ce qu'ils vont faire avec. Tandis que l'équipe Primus ont le first pick. On va voir ce qu'ils vont faire avec. Bien vu, l'ancien. Bien vu. Ouais, je donne un. Salut. Et là, j'ai une blague. Et les gars dans le chat, est-ce que vous avez les crampetés ou pas? Hein? Je parle au chat, pas à toi, ça marche pas sur toi. T'as les crampons? Je sais plus. Je vais aller voir sur internet. Allez, lance cette drape. Alors, Real Madrid, Juventus, finale de la LDC. Est-ce que c'est en 2014 ou 2015? Non, c'est en 2016. Non, c'est en 2014-2015. Mais le 4-1, c'est en 2016. Putain. Je suis trop fort. Je sais pas. Eh oui, il y a eu 1-1. Je m'en bats les steaks de ça. Je crois qu'on a déjà la pro draft. Draft pro, pro draft. Voilà, ils ont peut-être changé. Je sais pas. Ok, non, c'est le même. Okay. Merci, merci, mon gars. Mais ils ont toujours pas lancé là. Non. Parce qu'il manque un joueur du côté des. De l'équipe Raken. Il se fait daronner. Il se fait daronner ? Non, je pense pas. Non, c'est Aim Barjo qui est en spec. En vrai, il est là en fait.
J'ai reçu un snap, vous voulez que je le lise en live? De qui? De quelqu'un. Ok. Que la meuf a gagné ton. Putain. Ça bug. Bon. Ouais, j'ai des... Un truc, un feu. Là, il y a Noton, je parle de sa meuf, mais il ne répond pas dans le chat. Bah, c'est un couple libertin. Qu'est-ce que t'en penses de l'épisode 28 de One Piece? C'est 28? Ouais. C'est quoi l'épisode 28? Je sais pas, j'ai au hasard. D'accord. Il y a une truc qui a pas de meuf. Bah oui, bah oui. Oui, oui, il a pas de meuf avec la pépé. Tu veux que je t'aide à en trouver une? J'ai des contacts. Robe sucré. Sucré. On s'en fout de la draft. Let's go. On s'en fout pas, je veux dire. Si tu veux, il y a une truc, je peux t'aider à en trouver. Mais il y a une truc, il a la 20 milliards de DM Twitter. Il a une pépé. Rebeu sucré, il se tue à la fin. Pourquoi il n'y a pas de meuf? J'ai les contacts. Je peux te trouver une. J'ai une ex qui s'appelle Léa. Non, mais c'est pas. C'est une grand master. Oh là, t'inquiète. On a la même ex. Ok, Ben Olaf, Ben Draven, Ben Cassio. Côté des Primus. Cassio qui a dérangé. First Pink Jinx. Et Ben Mordo, Ben Irena, Ben Milio du côté de. Du Rakin. On banne pas le Viego, on banne pas la. La Xayah. Ezreal qui est pris en réponse à Jinx, ok. Et Nautilus. C'est pas un meilleur c'est un cool, combo mais... ça, si. C'est cool, mais. Au moins t'as assuré de l'engage avec Nautilus. Mais il y a mieux à faire avec le pick Nautilus en termes de duo. Du genre Kaisa contre Jinx ou Varus. Les bleus c'est Primus. Les bleus ouais c'est Primus et les reds c'est Rakan. Piclulu qui va sans. Ah, Jinx lui ça fait chier ça si on n'arrive pas à aller le chercher. Le pic Volibear. Le pic Volibear Dungle, qu'on revoit de plus en plus parce qu'il n'a pas eu de buff, je crois. C'est bien fort. Donc là, une réponse Horn. Pourquoi il pique le top maintenant? Je sais pas. Peut-être qu'on croit que c'est un Volibear top. Mais... C'est possible, en vrai. C'est possible, en vrai, c'est un flex pick, mais. J'avoue que Thresh c'est chiant. Bah Thresh non, c'est pas chiant, c'est fort. Surtout contre Nautilus, dans l'Oculus. Il a peut-être pas envie de le rejouer. Ben Viego, donc on croit que sur Volibear et toi. Enfin on croit. Oui on croit. Ben Wukong. Ben Vladimir et Ben Akadien en dernier pour l'équipe pour Rakan. Oui, non mais la Jinx a besoin de tout en fait. Besoin de rien, envie de toi. Et Thresh, ça pile plus que ça. Sérieux, si vous pouvez expédier moi cette game là, faut que j'aille solo queue après.
Mundo. Ok. Mundo Jungle, du coup. Wow, jungle. Ah non, vous voulez dire Evelyn. Vous voulez dire Evelyn. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de pick, je crois. On repique Cho'Gath au top. Donc c'est bien voli jungle. Mais Thresh n'est pas qu'un shield. Le peel ne consiste pas juste à shield et à speed up ses alliés. En vrai, Thresh, c'est trop fort aussi pour pile. Cho'Gath, du coup, c'est bien. Un Volibear jungle, du coup. C'était. Thresh, c'est trop C'était un fort flex. pour le pour repositionner tout le monde. Pour... Tu peux slow, tu peux. C'est. Bah, tu t'ingrappes toutes les 3 secondes. À 4 secondes, qui permet de désactiver le champion ennemi pendant 1 seconde 5, et t'as un Flay qui pousse ses ennemis et qui les désactive pendant 1 seconde, et qui slow. Victor en mid lane contre Sylas, j'aime bien. Ouais, puis de toute façon, on avait besoin de gros dégâts AP, et là, Victor, c'est pas mal. En vrai, on a un bon late game. On a un bon late game, mais... Ouais, on a un ulti Nautilus, en vrai, pour aller choper cette Jinx, peut-être. C'est vrai que Jinx, en free DPS, là, elle va découper littéralement de la frontlane, hein, si on n'arrive pas à aller la chercher. Qui ça, pardon, Evelyne? Non, la Jinx... La Jinx va Ah, oui, découper j'ai tout le eu. monde en vrai dans la game si on n'arrive pas à la choper. Donc le Cho'Gath évolue. Bah Victor Léandry. À voir, je sais pas si le Ezreal joue le Kraken en vrai. Ben, Ezreal, faut qu'il soit pixel. Ah, c'est sûr que là, si on prend du retard et si on a Jinx prend des kills en early, ça va être compliqué hein, pour Oaken. Oui. Après avec le Lu. Ah oui, du coup, c'est vrai que c'est Enfin, pas Cho'Gath, c'est Evelynn. Putain, c'est pas Mundo, c'est Evelynn Jack. Ah ouais, j'ai oublié. Attends, mais là, ça a lancé instantanément, là, ils ont tout leur... Ah, mais oui, mais ça rend putain de... En mode aveugle, pardon. Après, avec En Lulu, vrai, Evelynn. Lulu, tu t'es full focus, t'as plus rien. Et vu que Mais la Evelynn, du coup, Lulu, elle ça, c'est pense quoi? focus... La Evelynn Ben, prend. OS Jinx. Bah ouais, West Jinx, mais avec une Lulu. Evelynn, elle prend pas de kill en early, le champion est useless. En late, je vois pas comment elle veut. Tu veux qu'elle ait one shot la Jinx, en vrai, elle va être pile par tout le monde. Ça va être compliqué hein. Ah tu vois tu prends un pick Vi ou je sais pas. C'est un pick solo Q je trouve. Et donc tu peux pas faire trop de game. Tu peux pas trop faire de. J'arrive pas à parler. Tu peux pas trop faire de play avec Evelyn. T'es là, tu one-shot Bah, quelqu'un, dans tu ce l'ulti cas-là, c'est out. deux chat donc. Ouais, mais une fois qu'elle a one-shot, elle est plus rien. Non, le champion est Après, c'est en vide. 4v5. Après, c'est en 4v5. Prends 4v5. Là, j'avoue, Maokai là. Après, il y a un Sylas. Mais après, si tu voulais pick Maokai, il fallait ban Sylas. Ouais, ça, et là, ça a des trop bons ultis aussi dans la game en vrai. Celle-là, ça a été pique en deuxième rota. Ils l'ont pas ban. Ça veut dire. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas ban. Alors qu'ils avaient un Ornn Nautilus. Ouais, là, ça, et là, ça. En plus, il a fait une très bonne game dessus, game d'avant. On laisse open tous les picks de confort. Enfin, pas forcément les picks de confort, mais les picks. Qui ont bien marché avec nous. C'est ça, et. Mais, ouais, ça, et là, son ulti de Ornn. Parce qu'en soi, en face, on n'a pas d'engage.
À part un Volley qui peut courir peut-être sur tout le monde, mais on a littéralement pas d'engage. Mais avec un ulti Horn, du coup. Après, le problème, c'est que s'ils arrivent à un tuer Jinx ou Sylas, enfin Jinx et Sylas, pardon, s'ils arrivent à les tuer, ils ont plus de dégâts en plus. Ouais, c'est surtout la Jinx, mais ouais, Sylas aussi, ça va être chiant. Parce que non, ouais, Sylas, c'est vraiment late qui va faire vraiment mal. Mais ça va, les gars. Bon, dans tous les cas, là, le mieux pour Wacken qu'ils peuvent faire, c'est d'aller chercher le match nul pour prendre au moins un point. Parce que là, si on perd ce match, du coup, on va laisser Ils les avaient 3 points à Primus. perdu le premier match, non? Leur premier match? Je crois pas, je crois qu'ils avaient gagné. Il me semble. Peut-être. Je ne sais pas, je ne peux pas voir. Je suis un caca. Les gars, on a une annonce à vous faire. C'est quoi? On a loué des studios. Merde, ma chaise, pardon. On a loué des studios avec Taiga. Voilà. Ouais, carrément. Ouais. Un petit Pendant studio 2 jours. avec piscine. Ouais. On a une gaming house vers Montpellier comme pendant 2 semaines. C'est pendant là, On pendant la va. finale de la LEC. Voilà. Du coup, on va tryhard. On va prendre du bon temps. Et moi, ça a lancé là. Et toi, par moi, ça n'a pas lancé encore. Si, c'est juste qu'il faut que je change la scène. Je t'ai pas demandé ton avis. Ok, ça marche. Ok, ça marche, ça marche. Let's go. C'est quoi la touche, tiens? Ah, tu me poses. Et je vous mets la scène, faut juste que je trouve un truc. C'est quoi déjà la touche, les gars, pour un... On touche pourquoi? Pour mettre. Je vais mettre des pings en tant que spectateur. Okay. Pour voir la barre en bas là, tu sais. Ah, c'est bon. T'as combien de secondes là? Je suis à 56, 57. Là je vais être à 1 minute. 1 minute 2 là. Bah, monte au max, hein. Je suis à 1 minute 7 là. Ouais, 1 minute 10, ok. Bon. Mais bon, c'est pas grave, moi je m'en fous. Si tu veux un petit tip, t'appuies sur N, tu vois les timers. Les différents objectifs. Là. Ouais, tu peux les activer, mais moi avec la taille de la map, je les vois pas trop. Enfin, je vois pas bien les timings de Drake et tout. Comment on dézoome aussi? Contrôle match W. On n'a pas eu d'invade sur cette game, cover classique. Ça start tous les deux au blue buff. Ouais. Et Vic qui veut potentiellement aller chercher un kill sur le cheval qu'on a libre. On a une agression bot. En la faveur de la bot en Huracan. C'est le jeu qui commence au Q. Hein. Au lieu de commencer au. Avec Pixie. Je pense dans le... pour POC plus facilement. Bon grab de Sylas Summit en fait. Grand portée. Il arrive à prendre le push avec Nautilus et Zeral.
Ok, le trade avec Sylas au mid qui met midlife Victor. Stevie qui se prend un très bon gank de la plupart des drames. Voilà, pour l'instant c'est des petits pokes, y'a rien de intéressant. Le flash est le premier sans récupérer par. Ouais. La Jinx n'a pas l'assist et c'est lui qui prend le kill, heureusement. Et Jinx qui a un flash pour prendre le kill, mais il a pas réussi. Désolé les gars, j'étais endormi sur l'action. Je sais pas comment t'as bien. C'est parce qu'il m'a pris. Mais du coup, Volibear qui a gang très tôt, niveau 3, il a même pas fait son raid. Il a couru Jack au bot. Très intelligent, oui. Ok, le trade de Horn au top. Ok, au top, il y a Evelyn qui trade. Oh, le flash out, mais normalement ça va pas suffire et on va essayer de prendre le kill. Sur Evelyn, très bien. Très bien joué de la part de Sharkwi qui a trade. Qui a joué vers autour map. Across map, pardon. Putain. Donc Evelyn, comme on l'a dit, hein, qui se met en marche, qui prend le kill, comme on l'a dit. Si elle arrive à snowball. Si elle punir ce Shogat, Shogat en early, c'est facilement tuable. C'est très weak. Alors que, ouais, je pense qu'elle a bien fait de start sur son blue pour aller tenter encore en early au top, vu que c'est beaucoup plus facile d'aller tuer un Shogat qu'une Jinx, lui, à moins qu'ils sont vraiment mispose. Nautilus qui a un mettre sa pink dans le. Sa pink, son. Savoir dans le pixel bush. Pas vu. Le Celeste qui n'a aucune info, mais malheureusement la wave va push vers lui, donc je pense que. Ah, il va juste attendre la wave. Et une qui décide de back. Alors que Nautilus, lui, n'a toujours pas back. Et qui start son gang commit. Enfin, qui counter gang commit. Ok. Ezreal qui n'est pas farm, qui joue en weak side. Je pense que la botte est le weak side. Vers lui. Vers les ennemis. Et il faut faire gaffe qu'il ne le prise pas. Parce que faut pas refaire comme la game d'avant et prendre un retard de CS en early. Faut pas oublier que c'est quand même la principale ressource du jeu. Puisqu'il va mettre ses targons pour essayer d'aller crash cette wave. Qui a mis un très bon trade, mais derrière Shogat qui trade back. Le coup de pied, il va mettre très bien. On a tout le niveau 6 sur ce Horn qui peut très clairement prendre ce kill. Et ça, il est Shogat qui se trade contre Victor. Je sais pas, là par contre, je trouve ça vraiment éclaté. Ah, oui. Victor, ça m'étonne que tu, ça m'étonnerait que tu arrives à vraiment le rentabiliser pour strike. Fais gaffe, mais je suis niveau 3. On a un Voli qui ne va pas être vu, là faut faire gaffe parce qu'on va essayer on va voir Voli qui a un flash. Bon ça va flasher. Voli qui a un flash. Oui oui, ça va flasher sur un Nautilus. Bon, je crois que. Ok, très bien joué de. Très bien joué de Nautilus. On meurt pas sur cette action, on fait craquer le flash du Voli, c'est insane. C'est joli. C'est joli. Très bonne réaction de Nautilus en vrai. Qui a stun auto d'abord le Volibear et qui a ensuite flash grab pour sortir. Il y a Lulu qui aurait dit sûrement flash polymorph le Ezreal. Ah, est-ce qu'il va trade ce Victor, mais il a plus de mana, ça là, il aura même pas la mana pour ulti donc faut faire gaffe. Oui, du coup ça prend le premier Drake. Normal, la botlane était out. Volibear qui décide de gank au mid peut-être, attention. Un peu trop avancé. Naokyo, mais Naokyo qui n'a pas son. Flash, le flash. Naokyo qui n'a pas son ulti non plus. Encore 6. On va faire gaffe, surtout à ça, hein, les dives avec Volibear. Et moi je pense qu'il aurait tué le Sias et qu'il serait pris un coup de tour. Une tour ult, Q, laser. Ça y est, ça avait pas de mana, mais après ça reste un Voli. Voli qui avait déjà brillance, en vrai, ouais, il va prendre très cher tour. Victor. Ce tour, c'est chaud, un peu. Mais c'est pas grave. Voli qui vient d'être 6. Oh le.
Attends, son dash s'est fait cancel là au farm. Ouais, il s'est fait cancel par le Q du Shogat. Ok, je savais pas que c'était possible. Faut vraiment avoir le timing. Très grosse wave qui crash la part du Shogat. Par contre, là on a l'ulti. Ah non, c'est la wave qui arrive, le Shogat. Shogat qui va être aussi, c'est bien. Est-ce qu'on peut avoir la vue source? Ah, Shogat qui va tomber. Ouais, c'est un kill. Kill, oh, non, on va le laisser au horn. Je pense pas que ce soit la meilleure. Surtout qu'elle joue son noir, hein. Evelyne. Donc on aurait bien aimé avoir 6 de stack. De son noir. Ça reste tranquille, elle prend un stack avec l'assist, mais. Le horn va. Le horn, le Shogat va paraître une wave entière, parce qu'elle n'a pas de TP. Pour l'instant, c'est even niveau gold, c'est le même nombre de gold. Exactement le même nombre de gold. Y'a personne qui a. De l'avance. C'est Azrael, non? Qui ferme un peu mieux que la game d'avant. Toujours en. Derrière là. Derrière l'ADC. De Primus. Et là, on commence à reprendre des plates et tout ça. Pourquoi les 7 de gold? Quel le dive qui a un. On sait que ce joueur n'a pas de flash. Les bons dégâts de Victor qui va survivre grâce au shield. Le flashing de Silas et c'est le doublé pris par. Ils ont beaucoup trop forcé. Ah, et le Victor a tellement bien tempo avec sa zone et son Q. Heureusement que Lundvis était là, Lundvis a eu un pixel timing. Oui. C'est très 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 bien joué de la part du Nautilus et Evelyn qui prend un kill. Du coup, Evelyn qui se l'envole plus vite. Hein. Cette Evelyn va être un problème. Hein, parce que là, un seul noir à 3. Ok, bon ok. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas de lead en gold là. Bah les plates encore je pense peut-être au bot le farm en vrai ils non à part au top sinon ils sont tous un peu out farm entre guillemets. Ouais bon il y a un peu plus de gold pris parce que là il y a l'Herald sur moi du coup l'Herald qui donne 500 gold je sais plus. Est-ce qu'on veut tenter d'aller dive sur Shogat? Est-ce qu'on a les dégâts pour dive dans Shogat? Non. On a un ulti horn qui revient bientôt mais on l'a pas encore donc ça me paraît compliqué. Surtout qu'ils ont pas la wave, ils vont juste attendre la wave mais ils perdent beaucoup de temps et ce Ezreal est en bixel du coup on peut rien faire. Le très bon trait du Silas Omid qui lui met une life. On a la wave, on a les rails, est-ce qu'on force? Je sais pas parce qu'il y a qu'un flash sur horn, ça veut dire que horn doit tank. On va tout mettre, okay, le faut même pas littéralement se faire one shot. Non, le... Non, flash out. Et la mort et le feu. Oh non, c'est terrible. Voilà. Shogat qui s'en sort. Horn qui flash. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Oh non. Eh oui. Très très mal joué de la part des Huracan. Le Shogat qui prend 2 kills. Du coup, forcément, ça sent pas les couilles de mourir. Hein. Ça... Et là, au bot, on perd énormément. On perd 2 waves. Et la tour. On perd la tour. En, à 11 minutes de jeu, la Jinx a beaucoup trop de gold. La Jinx, le Ezreal qui va se faire tuer. Hein. Le Ezreal qui va juste se faire tuer. Et... Il peut rien faire. Voilà, la méga Death Rocket. Ok, Evelyn qui a. Oh le flashing de. Oh non, la Domingo. Oh non. Oh non, dans le mur, elle a cassé le mur, regarde-moi ça. Et j'ai jamais vu ça depuis Rainbow Six Siege. Quand je jouais à Rainbow Six Siege, je faisais la même chose. Non, mais c'est terrible. Oh non, mais le force. On était bien dans la game. Bon, on a encore une Evelyn en 3-0, mais malheureusement, là, la Jinx. Oui. A pris tellement de gold. Bon, c'est Jinx qui est toute seule, hein. La Jinx est toute seule et qui va mourir. Ok, le flash in de Lulu, le flash out. Le Tunus qui ne veut pas flasher stack à travers le mur. Ah, c'est terrible. En vrai, non, il pouvait pas. Jinx là va back, va avoir son premier item. Elle va mettre des claques. Clairement. On a déjà deux dragons en plus. Et en fait, il a flash panique, je pense. Il a vu le flash de Volibear et la flash instant. C'est pas posé de question. Sa souris était là. Oliver qui veut prendre le bleu et qui va l'avoir gratuitement, à part si Ezreal et Lucis décollent au même moment. Ok, c'est cover par la botlane Huracan. Après, l'ulti de Horn peut être clutch, hein. On connaît la puissance de cette ulti. On a un bon teamfight et on a l'upgrade des items avec Horn.
Mais bon, on a déjà deux Drake hein, du côté de Primus, et on est pas mal en avance en vrai du côté de la Jinx. On est très avancé sur ses back. La Jinx il va prendre son reset, on va voir ce qu'elle va acheter. Elle va prendre le tueur de Kraken et ses bottes. Je pense. Elle aura pas assez pour acheter ses bottes, mais voilà, déjà Kraken et... pratiquement ses bottes finies. Ok, le prochain objectif ça va être... je vais dire ça. Ça va être l'Herald en 2 minutes. Le Shogat qui va par contre tomber au top normalement. Oui, le Shogat qui va tomber, il y a beaucoup trop de dégâts. L'ulti un peu claqué en croc. Les deux ultis, pardon, claqué en croc alors qu'il était mort pour sûr. Encore Horn qui prend le kill, par contre, c'est dommage. Ouais. Là, elle aurait déjà stack full stack son saut noir là. Elle serait déjà à 10. Parce qu'elle a 3 kills sous son noir, 2 plus 2, ça fait 6. Et une à 6 ça fait 7, il n'y a plus du tout 10. Ok, vous voulez bien qu'il tente du coup une tour Evelyn qui n'a plus l'ulti, qui n'a plus rien. La méga test roquette qui m'avait pas touché, et vous voulez bien qu'il va tomber, je pense. Non, il va pas tomber. Ouais. Bah justement, non, il a foutu. Ah, il a pas été bump, il aurait. Oh non, tu vois. Oh, l'ulti d'Ezreal. Et les creeps qui finissent, parce qu'il était dans le creep, et les creeps qui finissent. Elle. Normalement, on va réussir à punir cette Jinx qui est toute seule et misspose. Oui. Alors que ça a claqué un flash. J'ai entendu le bruit du flash. Ok, Victor qui a engagé le Sylas, qui peut se permettre parce que. Celui-là, c'est bien de sa game. Ok. Du coup, bon sniping de la porte d'Israël. Qui n'avait pas les dégâts pour tuer, mais qui est mort sous le coup des. Qui poke ce Nautilus, mais il s'en fiche. Ok, le flashing autoritaire de Nautilus qui va grave la Lulu et qui va mourir sur le coup de la Evelyn qui a perdu tous ses stacks de soins. Peut-être un peu forcé en sachant qu'il y a le Drake qui est seulement dans 2 minutes et derrière le temps. Qui est un peu moins devant cette option. C'est sûr qu'on n'a pas, Gragas. C'est un disque qui est au top avec Volibear. Pourquoi la Jinx n'est pas au mid en train de prendre la prio pour le. Alors, je ne sais pas. Mais ils ne veulent pas prendre la prio au mid. Ok, Volibear dans la négé d'ennemi qui est tout seul. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et ils ont tout raté sur le Volibear. C'est très désastreux là ce que j'ai vu. Le Horn qui va sur le. Qui engage le Shogat. Qui lui met un coup de marteau, hein, qui fait 0 dégâts, pardon. Les lots, c'est. Silver. Low Gold Silver. Mais Taiga, il est mort, je crois. Ouais, je pense qu'il a fait un truc. Le Volibear. Tu sais ce qu'il se fait cache dans sa jungle, puisqu'il voulait déborder tout seul. Hein. Alors qu'il y a Volibear qui a max le Q. En plus, elle a raté son frappe. Ok, le dive qui s'annonce sur Evelyn, le flash shot d'Evelyn, l'ulti claqué, alors qu'il pouvait juste jouer des rails. Ok, le très bon nul, pardon, de Silas pour disengage, il y a des. Laurent qui va 1v5, je crois qu'il va 1v5. Nautilus qui revient, mais. Ils peuvent pas jouer, ok. Le flanc qui a essayé de one-shot la Jinx, mais qui se fait courir derrière. Je suis de retour. Je suis derrière, pardon. Je suis là. Alors. Mais. Alors je l'ai pas supplé pour venir, c'est lui tout à l'heure qui force dans le chat, c'est juste qu'on l'a clip. Fait, il a trop envie de venir dans la team, ça remonte ça. Bon le Drake est récupéré pour la troisième Drake, ils sont en Wesh. Que les petits pour parler. Point soul.
Soul Point, pardon. J'ai pété un plomb. La Jinx c'est trop bien en vrai game, pardon. En fait. Oui, la Jinx c'est un truc. Là, c'est une Jinx qui. Là, c'est une Jinx. Qui. Oh, qui. On est part sur quoi là? Nautilus qui part sur Solari, ok, très bien. SRL qui fait feu au spectral en premier, je connais pas les builds sur SRL, je ne m'avancerai pas. Cap solaire en first sur Horn, et Proto sur Evelyn qui a 0 sac de sonore alors qu'elle est en fait 0 et elle se retrouve en 4 points. Ouais, mais après voilà, le pic est. Le pic est fort en solo, en early quand les mecs sont sur leur lane, tout ça, mais après en phase de groupe. Avec la compo qu'ils ont, les Primus, c'est compliqué en vrai d'aller chercher des kills. Hein. Donc là, on n'a pas vraiment une avance de fou. Donc puis le Voli en fait est trop devant. Là, aussi, là, qui a déjà une avance. Voli qui va rush vite sa force de nature. Ouais. Victor qui fait de l'Andry, très bien, mais il est pas très avancé dans la game, je pense. On a les dégâts pour aller chercher un Cho'Gath là. Oh oui oui oui. Ok, bon, le bon charme. Oui oui, on va. Tu peux trade kill peut-être, non? Non, non, non. Ouais, on va quand même avoir les dégâts pour le tuer. Elle préfère sécure l'avenir. Mais derrière ils vont se faire récupérer je pense. Après ils sont que deux. Ah non, ils sont trois, j'avais pas vu une ligne 3. Ok. Ouais, le Victor va flash out, pourquoi? On va voir le boost avec son couteau, yeah. En vrai c'est pas mal, je pense qu'il survit. En vrai il a une zone, bientôt. Il faudrait que Ezreal Nautilus. Qu'est-ce qu'il faut pas de Nautilus? Il a pas son stun le jeu. Ouais, il est mort. Ouais. Mais utile de Ulus, ce qui n'est pas nécessaire. Mais bon dégâts quand même, mais je comprends pas ce qu'ils ont, enfin ils auraient pu le sauver mais. Et ils veulent tuer ce. Ouais. Celui-là c'est... Ça m'étonnerait qu'on arrive à tuer un Silence avec un Horn et un. Oula. Et lui qui a tous ses. Tous ses combos hein. Et qui va mourir derrière parce qu'il n'y a plus de but. Très bizarre le move. Ok, le bon follow-up avec l'ulti, le bon flash out de Ezreal, ouais, mais il n'a plus de E, il va mourir. Il est littéralement mort. On n'arrive pas à jouer hein, du coup des on n'arrive pas à jouer ensemble. Hein. Là, c'est mes games de solo. Oui, là, c'est vraiment, c'est de mort de partout, c'est TP partout, c'est. Ah, c'est une dinguerie. Hein. On va poser Sterral pour potentiellement prendre la T2. Vous êtes allé chercher même la T3. Non, je pense qu'on va prendre juste la T2. La gueule derrière avec les Z de la Jinx. Qu'est-ce que fait son utilité sur boss? Au boss en train de Shadow, hein, Orn. Enfin, Silas. Au lieu d'être mid avec son ADC. Jinx qui a tombé. Oh, le Victor qui a quand même vraiment des très gros dégâts. Des très bons dégâts. Oh, il va toucher Pixel! Et le Liandry qui prendra le kill sur le lui qui prend un doublé sur Victor qui. Il doit avoir ses améliorations maintenant. Ouais, Victor qui va sûrement avoir son Shadow Flame d'ailleurs là sur son reset. Shadow Flame, ouais. Et Victor qui va faire. Et là, ça va pas loin de. Mais après, on sait que c'est pas le Victor de Sai. Ouais, ouais, après, si on n'arrive pas à aller chercher le Victor et qu'on le laisse bien poke avec son E et tout. Ça peut faire très mal. Hein. En fait, un combo ult Horn Z de Victor ulti, ça oblitère tout le monde. Donc, faut faire très très gaffe. Donc là, c'est le soul, c'est la soul peut-être pour les Primus. Est-ce qu'on veut laisser Drake et peut-être jouer un Nashor? J'aime pas cet item avec Nautilus dans cette combo. Il aurait dû faire un Solari. Je pense qu'on va trade le Nashor, le trade contre un Nashor hein, du coup c'est Primus. Ça fait deux fois qu'ils font ça, ils attendent 20 secondes dans le bush. Hakim mon Victor sur class, tout vos Victor je pense. No offense. Pas que je dise. Attends parce que du coup là on va faire un move comme tout à l'heure. En fait le Drake spawn dans 10 secondes. Mais ça fait 4, depuis 30 secondes qu'ils attendent dans le bush. Non c'est pas ouf parce que là je pense qu'on a le temps de. Est-ce qu'on va avoir le temps de courir? On aura pas le temps d'aller le chercher. En vrai, s'ils y vont,
Il faut qu'ils y aillent, hein. Ils prennent un ace, ils finissent la game. Hein. Il faut juste qu'ils y aillent, hein. Même s'ils sont pas Drake. D'ailleurs. Ah, ça ok, ça va. Tout seul, mais ça reste. Qui va, je pense, va se faire punir. Flash out. Non, 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 il va juste flash out. Le Volibear. Ok, très bon seul, le Volibear, mais. Sur le multi c'est pas ouf. Peut-être le Victor qui rentre dans la. Devine qui dash out. Ça va être un ace et la fin de game, je pense. Vous avez pas de dégâts. Oh, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Zrel qui va mourir. Zrel qui va pas mourir, je pense. Oula! Non, non, oui. Juste à la fin de la game, il y a Evelyn à flash in pour tuer le Voli, mais Voli a trop de régène avec son Z, il n'y a pas d'enchaîne en face. Ce sera pas fin de game quand même, parce que il reste pas de match. C'est fin de game. C'est fin de game. Ah, ils ont pas de wave par contre. Ah, si, si, ils ont wave. Non, si, c'est fin de game. C'est un Nautilus, le Nautilus, c'est lui. Ah, le Shogat qui tank, ça c'est pas ouf. Le Voli, gars. Ouais, mais c'est pas ouf. Encore 10 secondes avant le respawn de. Oh non, mais ils finissent la game. Ils finissent juste la game. Ah, il les gars, pourquoi finir la game? Ok. What? Ah! Bon. Bah, il. What the fuck? Mais c'est quoi qu'on vient de voir là? Il se passe quoi là? Mais à tout moment. Attends, mais. Non. Là, qu'est-ce qu'ils font sur la T2? Ouais, mais après, bon. Tidus, qu'est-ce qu'il fait aussi? Wouah, ils sont. Son bas les steaks, littéralement. Ils sont enroulés, quoi. Après, il a raison, hein. Ça va plus vite. Kichi, Horn qui va toucher le Victor, la Jinx qui va récupérer le. Oh, le Horn qui sort. Et le Horn qui s'est mis. Ouais. Ok, Evelyn qui. La sphère full, c'est sûr. Cool. Et là, c'est fin de game. Hein. Ouais, c'est la risée de Jinx. Ce Ezreal. Mais c'est fin de game parce que. Ils ont pas assez de dégâts le Horn, bah, juste full tank, ok, très bon bump, mais. Ok, le petit Victor. Non, non, le Shogat est trop tanky et Evelyn est mort trop tôt, t'as pas attendu cette limite. Ok, Victor, peut-être. Non. Et c'est une autre win de la part des Primus. On complètement arraché les builds. En 24 minutes. Bon, moi je vais pouvoir aller sur le Q. GG aux deux teams. La première game était très intéressante pour la. Trop de niveaux en face. Enfin, trop d'avance, je veux dire, pardon. Et voilà. Ils ont pas pu revenir. GG aux deux teams. Voilà. On a cru à ce pic Volibear en top lane. On a counter pick avec Horn. Enfin, counter pick, je sais même pas si c'est un counter pick, mais on a pick Horn. Et voilà. GG. Il y a GG. Primus qui prend ses 3 points, du coup. Primus qui avait déjà win son premier match en jeu, il me semble. Donc, clairement, ils sont qualifiés d'ores et déjà. Normalement, ouais. Ouais, ils ont fait la Black Dance. Il a fait la Black Dance quand on va libérer la flash. Pas vu. Bah, pas de soucis, en vrai c'était cool. Bon, la première game était du coup plus agréable à cast, entre guillemets, vu qu'elle a duré plus longtemps. La deuxième game, bon, en vrai vous avez pas fait vraiment d'erreur. Après, c'est vrai que du coup la vie n'était pas insane dans la draft. C'est la vie. Il y a eu une différence au niveau de l'ADC, je pense, au niveau de la botlane. Wesh! Ouais. Putain! Putain, il y a Vox. Ça, t'es viré, t'es viré. Ouais, je te dis. Mais non, t'es pas viré, t'es juste. Elle va juste au mid. Elle va laisser la place à Yanneton gros cul. Pourquoi je dis ça? Bon, les gars, ça. On va aller en duo Q. Hein. Comment ça, mon stuff? Moi, je vais aller aux toilettes avant. Non, mais... Ah, mais oui. Ça va duo Q, les gars. Qui veut nous voir duo Q? Personne, évidemment. Mais on demande quand même. Retrouvez-nous en stream parce qu'on est des streamers de qualité. Les gars, on se fait une petite t-shirt. On peut pas Yanneton. Yanneton, Voxtra, elle est pas là. Et Lucas Marmelade aussi. Enfin, non, et moi, je suis en
En tri, ah, je suis en méditation, moi, les gars. Non, lui, nous, on est là parce qu'on est des gros porcs. Non, non, je suis en méditation, moi. Je reviendrai plus fort. Tais-toi, t'es pas en méditation. Pourquoi tu vas tous les week-ends dans la chicha? T'es là, tu prends quoi? Tu prends un goût... comment ça s'appelle? C'est... Comment ça s'appelle? Yanneton, commence pas. On voit clair dans ton jeu. Hein. Yanneton, commence pas. Regarde comment elle m'a appelé. Tu pourrais... Ah, il est... Non, voilà, quoi, j'ai... Goût non, mais pas pistache. Goût... Ah, comment ça s'appelle? Amour 9-9. Parce que je connais un peu les goûts chichas. Mais Yanneton aussi, il connaît les goûts chichas. Comment ça s'appelle? Ah, c'est pas Amour 9-9. Goût framboisier, framboise. Les gars, c'est un chicha. Viens, on fait une tier list goût chicha. Ouais, non, allez, moi, je vais stop le cast. Hein. C'est bon, il va me saouler. Non, ah oui, c'est goût... Goût mi amour, menthe, banane. Putain. Vas-y, les gars, on se retrouve dans 5 minutes sur le stream perso de Taika. Comment ça, mon stuff? Bah, on va du OQ. Allez, tous me follow, la team. Non, j'rigole sur le stream. En plus, j'utilise les nouvelles scènes. Ouais, moi aussi. Elles sont magnifiques. Je le dis. Bon, en tout cas, vas-y, merci les gens d'être venus. Merci d'avoir soutenu les équipes. GG à Primus pour la victoire. GG à Primus, les gars. Et si vous écoutez le cast, GG. Si vous arrivez jusqu'à là, envoyez-moi un message en privé. Sur le Discord, c'est Marwan. Vous dites, non, t'es trop fort, t'es trop drôle. Et si vous n'êtes pas arrivé jusqu'à là... Taiga, t'es pas un boss. Ah, t'es kick. Gars, est-ce qu'il y a déjà encore de la Primus, là? Le week-end, c'est la fiesta boum boum. Les gars, d'ailleurs, petite annonce aussi. Comme tout à l'heure, on ouvre notre serveur GTA RP. Mais qu'est-ce que tu racontes, vas-y, je finis. je stoppe le stream. Allez, c'est tout. Bisous, les gars. On se retrouve sur la fight. Ouais, bonne soirée à tous. Attends. Bisous, les gars. Bisous. Bisous, moi, N-World.